Ici, il s'agit de développer le carré de 2x-3. Et si vous connaissez votre cours, on reconnaît ici la deuxième identité remarquable, à savoir le carré de a-b. On voit bien que a jouera le rôle de 2x et que b jouera le rôle de 3. Cette deuxième identité remarquable, vous devez la connaître à force de l'utiliser. Elle est égale, se développe de telle façon, a carré moins 2ab plus b carré. Attention, le moins est au niveau du double produit. Du coup, si je développe mon carré de 2x-3 de la même façon, on voit que ça va être tout le 2x qui va être au carré dans un premier temps. Mettez bien une parenthèse pour qu'on comprenne bien que c'est tout le 2x qui est au carré. Si vous ne mettez pas de parenthèse, le carré ne va s'appliquer que sur le x. Vous ferez une erreur. Moins 2 multiplié par 2x, qui joue le rôle de a, et fois 3, 2 fois a fois b, plus b au carré, qui va me faire 3 au carré. Et donc, je vais terminer en réduisant cette expression. Le carré de 2x, c'est donc 2x fois 2x, ce qui me fera 4x au carré, moins 2 fois 2x fois 3, 2 fois 2 fois 3, ça va me faire 12, moins 12x, plus 9.